Salut tout le monde, c'est LOL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Granny. Aujourd'hui, je vais vous montrer un bug pour la bloquer. Bah, vous devez être en hard. Je sais pas si ça marche en extrême ni en normal, mais en hard, ça marche. Donc, mettez en hard. Hop, normal. Voilà, hop, on casse. Le bug est assez simple à comprendre, mais assez compliqué à faire. Vous devez aller vite, en fait. Mais après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez fouiller toute la maison, elle restera là pendant tout le temps. Vous pouvez tout préparer et tout, et après faire exprès de mourir et terminer la partie après. Voilà, on se réveille. Hop, tranquille, vous allez chercher ce vase. Vous vous mettez là, hop. À peu près comme ça. Vous le mettez à peu près vers là. Pêche. Voilà, à peu près vers là. Vous le lâchez. Vous avez ici. Vous le mettez comme ça. Dès qu'elle rentre, vous devez être bien collé. Dès qu'elle rentre, vous appuyez à fond sur le bouton là. Moi, je vais vous montrer. En fait chier, j'ai raté. Bon, comme je vous ai dit, ça c'est compliqué à faire. C'est pas grave, il y a d'autres essais. Des fois, c'est parce que vous positionnez mal le truc. Parce qu'il faut qu'elle soit bien positionnée, je sais pas pourquoi, mais. Sur cette ligne là. Hop, caché, hop, bien dans le coin. Ouais! Et voilà, elle est bloquée. Et ouais, elle ne peut même pas me frapper. Restera là. Regardez-moi ses dents, elle doit pas beaucoup se brosser les dents. Au revoir, vieille bique. Ah. Oups. Bah voilà, elle va rester bloquée jusqu'à que vous mourrez. Du coup, vous pouvez visiter les pièces, blabla. Non, non, non. Oh, il y a un truc. Ça, ça. Vous pouvez faire autant de bruit que vous voulez. Elle ne bougera pas tant que vous mourrez pas. Donc faites gaffe au plafond en haut. Si vous n'avez pas terminé. Oups, j'ai fait tomber un truc. Là. Ah oui, je vous avais pas montré ici. Voilà, je vous jette là. Regardez la guillotine. Tsing! Passer par la fenêtre et vous y allez. Oh zut, ça fait du bruit. Elle est mignonne, Granny, quand elle est comme ça. Et après, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous lui montrez Teddy, un ours en peluche. Ah, parfait. Attends, je vais essayer dans les autres. Il n'y a rien. Bon, je prends là. Quand même, ça doit vachement être compliqué parce que même quand elle est bloquée comme ça, c'est compliqué de tout trouver. Ouais, mais après, quand t'as le tranquillisant, c'est vite fait. Hein. Hop, tu la calmes et voilà. On tourne la manivelle. Ah, le deuxième. Je vais le poser avec son pote. Ici, il y a un petit passage secret. Rien d'intéressant, ok. Et puis vous allez là. Bon, là, je vais chercher le lance tranquillisant, le sort d'arc, mais une l'arbalète, je veux dire. Ensuite, je prendrai fusée à pompe et Teddy dans ma chambre, comme ça, quand on sera. Et je ferai exprès de crever. Là, c'est un truc pour dire où sont les trucs, là. Je pense, mais vu que c'est en anglais, je comprends rien. Selfie key. Oui, il y va. Bien évidemment, je me gêne pas. Et vous pouvez la bloquer ici avec le tranquillisant.
Oh, vous faites du bruit là, du coup elle arrive, vous mettez dans le coin là, et dès que vous la voyez là, vous la tranquillisez, du coup elle tombe, vous faites ça, non, non, vite. Et voilà. Elle est bloquée. Bon, ça c'est pas un glitch, c'est tout à fait normal, mais rien. Ça, je ça sert à rien pour gagner, je pense. Tu peux péter les caméras. Ta gueule! Dans le truc, il tombe deux fois alors qu'il était déjà tombé. Bon, bah, je vais passer le temps que je cherche les pièces parce que des fois, ça peut être long. On se retrouve dès que j'ai tout. Et oui, je vous avais pas montré. Ici, il y a un petit bouton, vous appuyez dessus et après, la porte a fait ça, vous avez juste à faire. Hop, et vous l'ouvrez. Ah, voilà, Teddy! Là, j'ai une pièce d'arme. Bon, je vais poser la pièce d'arme et après je viendrai chercher Teddy. Si, si, se trouve l'arbalète. Mais il faut la clé spéciale pour ouvrir. Bon, je passe. Regardez, j'ai pris Teddy. Hop. Et voici ce qui se passe quand vous avez été dit. Elle m'a l'air vénère. Ses yeux sont rouges, ça dit quand je le lâche. Attendez un peu. Ses yeux vont redevenir normal. Maintenant. Vous voyez? Elle est bizarre cette vieille. Là, il me manque une pièce pour l'arme. Et j'ai pas trouvé la clé. Du coup, bah, je cherche. Trouver la pastèque. C'est bon tout le monde, j'ai tout ramassé, j'ai fait exprès de me suicider en faisant exprès de tomber dans le trou là du plafond. Et regardez, là il y a Teddy quelque part. Bah, il est plus là, Teddy. Je l'avais mis là. Bon, c'est pas grave. Je vais la tranquilliser. Je pense que Teddy, elle doit à chaque fois le remettre. Parce que quand tu le prends, des fois, t'entends un cœur à moitié. Je pense qu'en fait, elle a pas de cœur, elle a foutu dans Teddy. Fais tomber, on va lui tirer dessus. Tiens. On a 30 secondes avant qu'elle se relève. Quand on va se relever, je vais lui tirer dessus. Je vais voir ce qui se passe quand on se relève. Pas bouger la vioque. Du coup, vous pouvez l'endormir pour l'enfermer dans une pièce, mais vous pourrez pas l'enfermer longtemps. Sauf si vous l'enfermez dans le garage, là, dans la petite pièce sauna. Hein? Ah merde, du coup, vous pouvez pas l'enfermer si c'est pas ça. Dégage la vioque! Oh merde! Elle a mis un piège la salope! Bon bah, 30 secondes sont bientôt passées. Donc en fait, on lui tire dessus, elle revit au bout de 30 secondes. Va revenir. Dès qu'elle est là, je lui tire encore dessus. Elle est là-bas. Elle arrive. Et je vais chercher Teddy. Vite. Et allons chercher Teddy. Pourquoi je passe comme ça, moi je suis con. Normalement, il se trouve ici. Yes.
me mettre dans la chambre, balader avec. Ah, j'entends son cœur. C'est bon, pile 30 secondes. Si vous allez vite. Elle a les yeux rouges. Elle me frappe quand même. Bon, ça sert à rien de prendre Teddy. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des pouces bleus. Au revoir.